Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où nous allons se faire prendre pour le créateur de Roblox et on va voir les réactions des autres. Bon déjà j'ai créé un compte Roblox, j'ai essayé de faire mon maximum pour que ça soit crédible. En fait la majorité des pseudos que je mettais ils étaient déjà utilisés. Du coup j'ai essayé de minimum avoir un pseudo qui ressemble au créateur. J'ai essayé mais tout était déjà utilisé. On va faire tout le maximum pour que je ressemble au créateur de Roblox. Donc déjà, le créateur de Roblox, son surnom c'est Roblox. On va changer puisque c'est gratuit. On va sur les infos du compte. Et là, on va changer. On va mettre Roblox. Ils mettent nom d'affichage, nom approprié sur Roblox. On va mettre Roblox Creator. On peut pas mettre le Roblox tout court. Et là, on va aller sur un serveur. Ah non, non, non. On va changer le skin. Parce que le créateur de Roblox, il a pas le même skin. Déjà, je pense, c'est gratuit. Donc, tant mieux. Et je pense, ouais, Roblox, ils ont ça. Le pantalon, ils ont celui-là, je pense. Ah ouais, Roblox, ils ont une casquette. Ah ouais, elle est là. Et heureusement, elle est gratuite. Par contre, Roblox, ils ont pas de cheveux. Du coup, enfin, le compte de Roblox, on va enlever les cheveux. Ça, ça ressemble un petit peu. Par contre, la tête, elle est bizarre. Ouais, je pense, ils ont une tête. Voilà, comme ça, c'est plus beau. C'est quand même aller voir le compte de Roblox pour au cas où... Donc c'est ça le compte Roblox. Ouais, ça ressemble. Ah mais ils ont la tête. Ils ont changé la tête. Et ils ont pas le même pantalon. Est-ce qu'on peut aller sur son profil? Parce que normalement on peut voir ce qu'il porte. Ouais, voilà là. La tête ça on peut trouver, mais le pantalon je sais pas c'est où. Attends, vas-y, je vais m'abonner à lui. Ça il aura 10 millions et 1. Ils ont cru que j'étais un robot. Ce pantalon, je sais pas s'il est gratuit ou pas. Mais je pense qu'il est gratuit. Si c'est Roblox qui le porte. Oh non. En fait, il l'a mis... Que personne d'autre peut l'acheter, comme ça il n'y aura pas de quelqu'un qui se prend pour lui, vous voyez. Ah, pas bête. Il a celui-là ou celui-là? Il a celui-là, je pense. Maintenant, on doit y aller sur Brookhaven. En fait, j'ai oublié de vous dire, c'est juste de l'humour. Alors, c'est juste pour voir les réactions des gens. Donc, ne faites pas du tout ça, ne reproduisez pas ça. Et le compte, après, je vais l'abandonner, vous voyez, donc ça sert à rien. Plus qu'on est sur Brookhaven, on va prendre le code du pantalon de Roblox. Là, on va retourner sur Brookhaven et on va mettre le code. Donc là, on ressemble vraiment à... Oh non, on n'a pas le visage. La tête qui bouge, là. Je sais pas si on peut la mettre ou pas. On va essayer quand même. Le code, c'est ça. On va essayer quand même. Ah, on peut pas mettre. Ils mettent erreur idée. Bon, pas grave. Là, on ressemble déjà assez au créateur de Roblox. Est-ce qu'il y a des... français. Parce que là, je sais pas c'est quelle langue. On va aller chez les gens, on va vraiment tout... Oh, il y a une personne ici. On va parler en anglais pour voir. Parce que... Oh non, elle est... Oh non, elle est partie. Et wesh. On va aller encore chercher des gens. Ici, je pense, il y a des gens. Là, il y a une voiture, du coup, je pense... Il y a quelqu'un. Ah, la porte, elle est ouverte. Waouh, mais moi, j'ai raté plein de mises à jour. Elle est trop belle, la maison. C'est ouf quand même. On va aller ici parce que je pense qu'il y a des gens. Parce que là-bas, ils ont mis des décors, là. Les décors qu'on a ici. Oh, wesh. Mais c'est quoi, ça? Ouais, moi, j'ai raté des mises à jour, hein. Ah, c'est une tablette. Eh, moi, j'ai raté des mises à jour, dis donc. Je pense qu'il y a personne. Il y a des décorations ici, mais je sais pas c'est quoi. Ok, je pense qu'il y aura personne. Venez, on va la braquer. Ah non, il est où, le coffre, là? J'ai tout oublié, moi, sur Brookhaven. Ah, il est là. Attends, on va prendre une bombe. Voilà. On va aller chercher des gens, parce que là, je m'ennuie vraiment. Oh, il y a quelqu'un. Non, reviens ici, toi. Reviens ici. Il va trop vite. Mais, viens. Ah, il y a quelqu'un d'autre. Ah, voilà, lui, il répond. Je voulais dire, tu parles français? Ah, il a dit non. En fait, je lui ai dit que j'étais le créateur de Roblox, et il m'a dit quoi? Attends, je vais voir ce qu'il va dire. Tu es? Mais je suis quoi? Ah, le créateur de Roblox. Je suis le créateur de Roblox. Non, mais le pauvre. Imagine, il croit. Imagine, il croit vraiment. Non, mais il y a des gens, ils sont capables de vraiment croire. On va aller chercher des gens. Ah, il y a quelqu'un ici. Ah, mais c'est lui. C'est le même. Mais là, je cherche des gens. Des Français. Oh là là, il y a personne. Ça m'énerve beaucoup. Oh, il y a des Français. Déjà, il faut chercher des gens qui parlent. Qui me font pas de vent. Vous savez qui je suis? En fait, je suis le créateur de Roblox. Non. On va voir si elle va me croire ou pas. C'est pas possible qu'elle me croie.
Mais c'est ça. Tu me crois pas? Ah, elle me croit. Elle m'a dit si. On va un petit peu mettre le français soutenu, vous voyez, le petit sans faute. Comme ça, ce sera vraiment bien crédible. Ah, oh, wesh, elle m'a dit, bah, il revient plus. Mais ça va pas, madame, ça va pas. Il va me suivre. Il va me ban après. Bonjour, j'ai pas envie qu'il me banne. Eh, il va me tuer. Eh, tu te prends pour qui, toi? Je bouge beaucoup parce qu'il va me ban. Tu veux jouer à ça, frérot? Attends, moi aussi, j'ai des armes. J'ai une arme, frérot, tiens. Tiens, tu veux... Je vais prendre elle. Elle a l'air plus... Oh. Non! Non, il va me ban. Tiens, tu veux te battre? Tiens, tu veux te battre? Réponds au moins à mon bonjour, je sais pas. Réponds à mon bonjour, je sais pas. Tiens, t'es tombé. Réponds à mon bonjour, s'il te plaît. Quand quelqu'un vous dit bonjour, répondez-lui. Je sais pas, tout ce que vous voulez, mais pas devant, s'il vous plaît. Oh, j'ai vu quelqu'un. Oh, il y a des Français ici. Vite, 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 vite. Répondez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, partez pas, partez pas. J'espère qu'elle va me répondre. Ah, lui, il a répondu. Je suis le créateur de Roblox. J'espère qu'il va me croire. Allez, vas-y, réponds. Ne me laisse pas devant, s'il te plaît. Oh, je lui dis, tu me crois? Il m'a dit oui. Je lui dis, bonne journée, comme ça, il va un petit peu... Je sais pas, il va avoir des doutes. Tu m'avais pas dit de... Je devais plus revenir, mais là, c'est toi qui reviens, non? Merci, je trouve que c'est dommage qu'on me croit plus. En plus, on est en BIC 2023. T'inquiète, c'est une expérience sociale. Mais je pensais que tu faisais vraiment. Ah d'accord, ils se sont pardonnés. Pourquoi t'as des vêtements de fille, toi? Comment c'est des vêtements de fille? Il a pas de vêtements de fille. Ah si. J'ai des vêtements de gars. Ah, j'ai capté. Capté quoi? Des hashtags. Roblox, il est temps d'enlever les hashtags, hein. Laissez-nous la liberté de parler. Si vous êtes d'accord avec moi, likez la vidéo. Parce que moi, je trouve que bah, c'est dommage. En fait, qu'on veut dire des choses, même des choses qui n'ont aucun rapport avec des mots violents ou choses comme ça. Et je sais pas, peut-être là, elle voulait dire autre chose et ça a mis des hashtags, vous voyez. Bon, on va aller chercher d'autres cibles. Ok, on va aller venir ici, chez Lola. Ah, la porte est ouverte. Les gens, ils ferment pas leurs portes, hein. Dangereux, les gens. Fermez vos portes. Il n'y a personne, je pense. Les gens, faut fermer la porte. Ah si, il y a quelqu'un. Non, 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 me banne pas, ne me banne pas, ne me banne pas. Oh, mais faut parler soutenu, comme ça ils vont me croire. Alors, si je parle avec des mots wesh et tout, on va jamais me croire. Hey, y a quelqu'un ici. Réponds-moi, s'il te plaît, répondez-moi les gens, répondez-moi. Ah, mais je pense que c'est pas les les gens qui ont cette maison. Mais pourquoi elles sont habillées toutes noires? Je comprends pas. Bien et vous? Voilà, j'ai écrit, ça va bien comme d'habitude, ça fait plaisir de voir des joueurs jouer à mon jeu. Et le créateur de Roblox. Oui, je suis le créateur de Roblox. Bye le créateur de Roblox. Ils sont grave sympas en vrai. C'est pas le créateur de... Comment ça? Bah oui, logique. C'est pas le créateur de Roblox. D'accord. Bah, elle a raison quoi d'un côté. Eh, y a des gens. Je suis le créateur de Roblox. Attends, y a du camion? J'ai raté plein de mises à jour moi. Eh, wesh! Comment ça? Le créateur de Roblox qui sait pas conduire. Regardez ma voiture. Regardez mon camion. Mais il a un problème. Eh, non, je suis sous le sol. Ah non, c'est bon. Bon, on va prendre une autre voiture, hein. Plus stylée. Oh, la moto de police! Incroyable! Wow, regardez-moi le créateur de Roblox sur une moto de police. Ah, il y a une meuf. Bonjour, réponds-moi, s'il te plaît. Ah non! Elle m'a répondu bonjour. Ah non, elle est partie! Oh, il y a une maison. Oh là là là. C'est quoi cette maison? Mais elle est trop stylée. Mais elle est trop belle. Moi, j'ai raté plein de mises à jour ou quoi? Je sais pas si elle va me répondre. Elle va me prendre pour quelqu'un qui est fou. Elle est trop sympa. Elle m'a dit ça va, merci, et vous? Mais en vrai, ils sont sympas, les Français. Pourquoi il pleure, lui? Pourquoi vous pleurez? J'ai jamais dit enfant. Ok, d'accord. Comment ça, ta snap? Non, mais... Comment ça, ta snap? Je sais pas. En fait, je sais pas. On est sur Roblox, pas sur... Je sais pas, en fait. Bon, bref. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!